Bonjour à tous. Donc je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et en fait j'avais envie de vous présenter le look que j'ai sur les yeux. Donc ce sera un tutoriel maquillage. Comme les beaux jours reviennent, j'avais envie de couleurs et donc voilà, j'ai fait ce maquillage que j'aime beaucoup en ce moment. Donc je vous le montre un petit peu de plus près, de toute façon vous le verrez dans la vidéo. Donc voilà, c'est principalement du rose parce que voilà, le printemps, les fleurs repoussent et j'avais envie de couleurs. Donc je vais vous laisser tout de suite avec le tutoriel. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook, Instagram et Twitter. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je vous laisse avec le tuto. Ciao! Je commence mon maquillage par appliquer ma base à paupières de chez Urban Decay. Et ensuite je prends la Naked Smoky et j'applique le fard blanc, donc le fard 13, dans toute la paupière mobile. Et en fait je tapote bien le fard pour bien que le blanc ressorte et qu'il ne soit pas estompé, pour que ça fasse réellement blanc. Et ensuite je prends la palette Gwen Stefani, toujours de chez Urban Decay. Je prends le fard rose, donc le fard Harajuku, que j'applique dans le creux de la paupière avec un petit pinceau estompeur pour pas qu'il y ait une trop grosse démarcation. Et je l'intensifie un petit peu comme j'ai envie. J'avais envie que ça se voie un petit peu, mais pas trop non plus. Et je viens l'estomper parce que j'en avais appliqué un petit peu trop. Ensuite je prends l'électrique palette de chez Urban Decay et je prends le rose très très flash. Donc c'est le fard Savage que j'applique en ras de cils inférieur et je l'intensifie assez bien. Et ensuite je l'estompe un petit peu et j'applique le fard Harajuku de la palette de Gwen Stefani pour l'estomper un petit peu. Et ensuite je fais mon trait de liner avec un fard noir mat. Et c'était le fard de la palette, le fard noir de la palette de Gwen Stefani. C'est le Blackout. Et ensuite, j'applique mon crayon noir en muqueuse supérieure seulement, pas dans la muqueuse inférieure pour bien qu'on garde le rose. Je recourbe mes cils, je mets mon mascara qui est le Miss Manga de L'Oréal pour... en ce moment, et je l'adore vraiment beaucoup. Et je viens également tapoter les cils du bas, mais vraiment juste un petit peu pour pas en mettre dès la racine. J'en mets surtout sur les longueurs, et voilà le résultat final. Donc n'hésitez pas à me dire si vous aimez le maquillage. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram, Twitter et Facebook. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !